Miracles extraordinaires de Saint Vincent Ferrier. Les miracles de Saint Vincent Ferrier, 1350 à 1419, Ange de l'Apocalypse. Tiré de Saint Vincent Ferrier, de l'Ordre des Prêcheurs, par le P. Pradel, 1875, Saint Vincent Ferré, par le P. Hogan, 1911, et L'Ange du Jugement, par SMC 1954. L'apôtre oublié. Il y a un saint qui a été l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, mais dont l'existence a été largement oubliée. Même lorsqu'on en parle, les descriptions qu'on lui donne sont si édulcorées, si vagues, qu'elles sont honteuses et une insulte à sa vraie gloire. Ce saint oublié a accompli plus de miracles en un seul jour que tous les miracles accomplis par d'autres saints au cours de leur vie entière. Ajoutez à cela que la nature de ces miracles était souvent d'une nature extraordinaire. Beaucoup de saints sont salués pour avoir guéri un estropié ou guéri quelqu'un d'aveugle, mais de tels miracles étaient si communs pour notre saint que la plupart n'ont même pas été enregistrés. Le saint dont il est question ici est Saint Vincent Ferrier. Il faudrait des milliers de pages pour couvrir correctement les œuvres de ce saint le plus favorisé. Ainsi, dans ce qui suit, nous nous limiterons à une brève discussion de sa vie, en nous concentrant principalement sur certains de ses miracles les plus étonnants. Le but ici est d'exciter votre crainte, votre admiration et votre amour afin que vous puissiez inclure ce saint dans vos prières, en demandant son intercession. Car les miracles qu'il a opérés étaient d'un tel nombre et d'un caractère si unique, qu'après les avoir entendus, vous vous demanderez comment un si grand saint n'a pas pu être élevé par l'Église de manière à être vénéré par tous. Après avoir lu sa vie et ses miracles, vous saurez qu'il s'agit de l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Un saint égal aux douze apôtres originaux et pourrait être considéré comme un treizième apôtre. Le plus grand faiseur de miracles depuis l'époque des douze apôtres. Saint Louis Bertrand a témoigné, Dieu a sanctionné les saignements de Vincent Ferré par tant de miracles, qu'il n'y a jamais eu de saint depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, qui est fait plus. L'Église a officiellement reconnu 892 de ces miracles dans le cadre de sa canonisation, mais le nombre total est estimé à des centaines de milliers. Car s'il n'avait fait que huit miracles par jour pendant les vingt années de son apostolat, le nombre aurait dépassé cinquante-huit mille. Pourtant, ce nombre étonnant est considéré comme terriblement bas par ceux qui étaient contemporains. L'évêque de Télésia a dit Il m'est tout à fait impossible d'énumérer tous les miracles que je l'ai vu faire, et les volumes ne les contiendraient pas. Un témoin qui a suivi le saint pendant quinze mois a témoigné sous serment que, après la messe et le sermon, et de nouveau après les vêpres, les malades étaient amenés à Maître Vincent pour être guéris. Maître Vincent leur imposa les mains, les bénit, et les malades furent guéris, et s'en allèrent en se réjouissant. Nous célébrons généralement de nombreux grands saints qui ont accompli des miracles tels que guérir instantanément ceux qui étaient proches de la mort, donner aux estropiés la capacité de marcher, peut-être rendre la vue à une personne aveugle, ou même peut-être ramener à la vie une personne récemment décédée. Ce sont des événements vraiment merveilleux qui méritent d'être vénérés, mais de tels miracles étaient monnaie courante pour Saint Vincent Ferrier. Par exemple, Saint Antonin a affirmé que 28 personnes ont été ressuscitées de la mort par Saint Vincent, mais que ce nombre ne représentait pas le nombre total, qui était beaucoup plus grand. Près de la ville de Conflans, au mois d'août 1415, il nourrit 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec sept pains et quelques poissons. Près de Palma de Majorque, Saint Vincent Ferrier a calmé une tempête pour prêcher depuis un quai. À Béziers, il arrêta une inondation. Il pouvait chasser les démons d'un mot ou d'un toucher. Les gens l'entendaient dans leur propre langue locale, bien qu'il parlât son dialecte espagnol, sa langue maternelle. Pourtant, ce qui précède ne couvre pas tous les dons extraordinaires qu'il a reçus. Son pouvoir était si suprême qu'il le communiquait aux autres. Souvent, quand les gens venaient lui demander ce genre de faveur, il se tournait vers l'un de ses compagnons et lui disait J'ai fait assez de miracles aujourd'hui et je suis fatigué. Fais toi-même ce qu'on me demande. Le Seigneur qui agit par moi agira aussi par vous. Ensuite, ses sacrificateurs s'en allaient faire des miracles. À un prieur de son ordre, il a transmis ce pouvoir de faire des miracles tout au long de la vie du prieur. Saint Vincent a même communiqué le pouvoir des miracles aux objets inanimés. Un jour, il offrit un de ses vêtements à une femme pauvre mais pieuse. La mise de cette relique sur la tête des malades les guérissait, et l'aumône qu'elle recevait lui permettait de vivre dans l'aisance. Dans la ville de Grand, en Espagne, il leur laissa un crucifix qui devint l'instrument de nombreux miracles. Les gens étaient guéris par le simple contact de ses mains ou même par son habit religieux, qui coupait des morceaux. Une fois, au début de 1418, alors qu'il entrait dans la ville de Vannes, juste devant sa porte, étaient rassemblés de chaque côté de la route les malades, les aveugles, les muets et les boiteux. Saint Vincent les bénit et ils furent tous immédiatement guéris. L'air était rempli d'hymnes d'action de grâce alors qu'ils appelaient la bénédiction de Dieu sur son serviteur qui les avait guéris. Parfois, les gens au cœur corrompu recevaient l'amour de la vertu par le simple regard des yeux de Saint Vincent. Et ses miracles étonnants n'ont pas cessé avec sa mort. De nombreux miracles incroyables ont été accomplis après sa mort en invoquant son intercession. Saint Vincent Ferrier était vraiment le plus grand faiseur de miracles depuis l'époque des douze apôtres et pouvait être considéré comme le treizième apôtre. Les miracles accomplis avant sa naissance. Saint Vincent Ferré est né le 23 janvier 1350 de William et Constance Ferré, un couple très pieux vivant à Valence, en Espagne. Vincent était le quatrième d'une famille de huit enfants. Les miracles ont commencé avec cet enfant avant même sa naissance. Au début, la mère ne ressentait aucune des douleurs habituelles qui accompagnaient toujours ses grossesses. Pendant sa grossesse, Constance est allée faire son aumône mensuel à une femme aveugle. Après avoir demandé aux femmes aveugles de prier pour un accouchement en toute sécurité, les femmes aveugles ont penché sa tête sur le sein de la mère et ont dit Que Dieu vous accorde cette faveur. À cet instant, les femmes aveugles purent voir. Le bébé Vincent dans le ventre de sa mère s'est mis à sauter, comme l'a fait Jean-Baptiste. Juste avant sa naissance, Constance entendit l'enfant pousser des cris semblables à ceux d'un petit chien qui aboie à l'image de ce que la mère de Saint-Dominique a rencontré. Dans les semaines qui précédèrent sa naissance, son père fit un rêve où il entrait dans l'église des dominicains à Valence. Le prédicateur à la chair se tourna vers lui et lui dit. Je te félicite, William, dans quelques jours, tu auras un fils qui deviendra un prodige d'érudition et de sainteté, le monde retentira de la renommée de ses exploits merveilleux, il revêtira l'habit que je porte, et sera reçu dans l'Église avec une joie universelle, comme l'un de ses premiers apôtres. Les miracles accomplis pendant son enfance. Inutile de dire qu'il s'agissait d'un bébé très célèbre avant sa naissance. Son baptême a été un événement de la vie qui a attiré de nombreux notables de Valence. Après de nombreux débats entre les personnes présentes sur le nom à donner à cet enfant, c'est le prêtre qui l'a divinement inspiré, l'a nommé Vincent d'après le saint patron de la ville, Vincent Martyr. Le petit Vincent n'a pas donné beaucoup de fil à retordre à sa mère. Il pleurait rarement et restait tranquille. Vincent était encore au berceau et commençait à peine à zézayer, lorsque Valence a été frappée par une sécheresse. Bien que des prières publiques aient été offertes pour obtenir du soulagement, pas un nuage n'est apparu dans le ciel. Puis, un de ces jours, alors que sa mère parlait de cela, elle entendit clairement son fils dire ⁇ Si tu veux de la pluie, porte-moi en procession, et tu seras exaucé favorablement. ⁇ En entendant ces paroles miraculeuses, la mère courut chez le magistrat de la ville, qui décréta immédiatement qu'une précession devait avoir lieu. Le bébé Vincent fut porté triomphalement, peu de temps après la fin de la précession, le ciel s'est soudainement couvert et une pluie abondante est tombée pendant plusieurs heures. À l'âge de 6 ans, Vincent a été emmené chez un enfant du même âge qui avait une pustule dangereuse au cou. On lui a demandé de toucher la partie affectée, mais au lieu de cela, Vincent l'a embrassé. Au moment où ses lèvres touchèrent la chair, elle fut instantanément guérie, la blessure avait disparu. À l'âge de 9 ans, Vincent est allé le chercher chez un de ses camarades de classe pour aller le chercher à l'école. Entendant la mère pleurer, il monta précipitamment l'escalier de la maison et trouva la mère, qui s'écria en sanglotant Mon fils est mort Vincent sourit et dit à la mère Allons-y, mon ami n'est pas mort, il dort, allons le voir. Vincent s'approcha du lit, et, prenant par la main le cadavre froid et rigide, il s'écria Lève-toi, il est temps d'aller à l'école. Le garçon de neuf ans ouvrit les yeux comme s'il avait été plongé dans un profond sommeil. Le garçon s'habilla et ils se dirigèrent tous les deux vers l'école comme si de rien n'était. L'ordre dominicain des prêcheurs. La veille du 2 février 1367, le prieur du couvent de Saint-Dominique eut une vision de Saint-Dominique. Dans cette vision, Saint-Dominique lui montra un jeune homme et lui dit, Reçois-le, il sera ton frère et mon fils. Ce jour-là, Vincent Ferré arrive au couvent. Le prieur reconnut Vincent dans sa vision et l'accueillit dans l'ordre. Vincent résolut de faire de sa vie une imitation intime de celle de Saint-Dominique. Il était constant dans ses prières et ses mortifications, n'en omettant jamais aucune. Vincent était doué d'une grande intelligence qui lui fut reconnue alors qu'il n'avait que cinq ans. Au cours de ses études à l'abbaye, il apprit l'hébreu et put y citer les Écritures. Il a étudié le Talmud et a pu réfuter les doctrines absurdes et les histoires mensongères dont le livre abonde. Il consacra une grande partie de la nuit à la prière dans l'Église. Une nuit, alors qu'il priait Jésus au sujet de sa passion, le crucifix tourna la tête vers Vincent en disant ⁇ Oui, Vincent, j'ai supporté toutes ces souffrances, et même plus. La nouvelle position du crucifix a été préservée pour que tous puissent en être témoins. ⁇ dans les années 1372 à 1375, frère Vincent était à Barcelone, en Espagne, où sa prédication attirait tant de gens qu'il avait besoin de prêcher sur les places publiques. Le miracle des navires de céréales Au printemps 1375, la ville de Barcelone était en proie à une terrible famine. Les habitants faisaient des prières publiques et des précessions pour obtenir l'intercession de Dieu. A la fin d'une de ces précessions qui se termina sur une place publique, frère Vincent exhorta tout le monde à la repentance, car la famine était la punition de Dieu pour leur oubli de la loi divine. Il s'écria tout à coup que cette nuit deux navires arriveraient au port chargé de grains. Mais la foule rejeta ce qu'il disait, à cause de la mer terrible qui régnait et qui empêchait tout navire d'atteindre le port. Par la suite, ses confrères religieux réprimandèrent Vincent pour ce genre de déclaration, et son prieur lui ordonna de ne rien faire qui attirait l'attention sur lui. Vincent accepta cette admonestation et passa le reste de la journée en prière. Vers le soir, deux navires chargés de grains arrivèrent, au cours des jours suivants, vingt autres arrivèrent également. Le miracle de l'ouvrier qui tombe. Un jour, des maçons de blocs, travaillant en haut d'un mur sur le toit d'une prison, ont repéré le frère Vincent qui marchait dans la rue. Au moment où il passait, l'un des maçons perdit pied et se mit à tomber en criant, Frère Vincent Frère Vincent Levant les yeux, frère Vincent cria, Reste là où tu es jusqu'à ce que je revienne. Immédiatement, l'homme a cessé de tomber et s'est suspendu dans les airs au-dessus de la rue. Courant vers son prieur, Vincent lui dit, Un homme qui tombe d'un toit m'a demandé de l'aider. Alors il attend que j'ai votre permission. Vous attendez Oui, il attend. Le prieur répondit, Eh bien, retournez en arrière et achevez-le, sans doute il y a une foule. Frère Vincent s'en retourna, et à ce moment-là, il y avait une grande foule de gens étonnés qui regardaient l'homme suspendu pendant tout ce temps dans les airs. Le prieur dit que vous pouvez descendre, dit Vincent. L'homme flotta doucement jusqu'à la terre. Ce miracle est la raison pour laquelle il est le saint patron des constructeurs et des ouvriers du bâtiment. L'apostolat du repentir En 1396, après avoir joué pendant plus de 20 ans des rôles clés dans de nombreuses activités au sein de l'Église, y compris celui de confesseur du pape Benoît XIII, le père Vincent tomba gravement malade et resta pendant 12 jours aux portes de la mort. Le 3 octobre 1396, à Avignon, la veille de la fête de Saint François, la chambre du Saint est inondée d'une lumière céleste. Notre Seigneur, Saint François et Saint Dominique lui sont apparus. Jésus l'instruisit de sa mission, qui était d'aller prêcher l'Évangile et la repentance, que ce serait une occasion miséricordieuse de repentance et de conversion de la part de Dieu. Jésus a touché le visage de Vincent, ce qui l'a guéri instantanément, puis la vision a disparu. Saint Vincent commença son nouvel apostolat le 25 novembre 1398 à l'âge de 48 ans. Le pape Benoît XIII lui accorda, le gâtu à la Terre-Christie, les pleins pouvoirs pour prêcher dans n'importe quelle Église. Son autorité pour cela n'était surpassée que par le pape lui-même. Au cours des 20 années suivantes, Saint Vincent voyagera à travers l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Angleterre prêchant la conversion offrant la messe, écoutant les confessions et accomplissant des miracles pour confirmer son message. Il marchait partout à pied, portait une chemise de poil grossier, jeûnait, se disciplinait toutes les nuits, dormait sur le sol dur et ne s'accordait que cinq heures de sommeil. Il y avait des milliers de fidèles qui voyageaient avec lui de ville en ville. Parfois, le nombre atteignait dix mille. Ses disciples, qui avaient été des pêcheurs publics, étaient tenus d'accomplir les pénitences publiques les plus rigoureuses. Les disciples de Saint-Vincent sont devenus des exemples de piété chrétienne faisant preuve d'une paix et d'une charité parfaite. Le don d'un prédicateur les miracles de sa prédication. Il y avait beaucoup de dons miraculeux associés à la prédication de Saint-Vincent. Il a toujours prêché dans sa langue maternelle, l'espagnol valencien, mais tout le monde le comprenait clairement, quelle que soit la langue qu'il parlait. Qu'il parlait le français, l'italien, l'anglais, le grec ou l'allemand, ils entendaient non seulement leur langue maternelle, mais aussi leur idiome natif. En 1418, Notre Saint était à Caen où le roi Henri tenait sa cour, qui était composée de gens de nombreux pays. Ils furent tous étonnés et le roi témoigna qu'ils avaient entendu Vincent prêcher, pour ainsi dire, dans la langue de chacun des assistants. Il s'adressait à des foules immenses sur de grandes places sans amplification moderne, mais il était clairement entendu de tous, même si la distance était de plus de plusieurs kilomètres. Sa voix portait en elle une telle expression du Saint-Esprit que les gens étaient poussés à la repentance et à la conversion en entendant ses paroles. Les gens pleuraient quand ils l'entendaient dire la messe. Les âmes tièdes recevaient la grâce de la compunction et pleuraient ouvertement à sa prédication de repentance. L'enthousiasme des gens était sans pareil. Les gens quittaient leur travail, les magasins fermaient, les tribunaux et les universités fermaient, et les gens parcouraient des kilomètres à la ronde pour assister à ces conférences. Les cathédrales ne pouvaient pas contenir les foules énormes, alors ils prêchaient sur les places publiques, qui remplissaient non seulement les places, mais aussi les maisons adjacentes et les toits. Ces sermons duraient généralement trois ou même six heures, mais la foule ne se fatiguait jamais. Le vendredi saint, Environ 30 000 personnes étaient présentes à Valence pour l'écouter. Le recteur de la cathédrale, Jean Régis, a témoigné que lorsque le Saint a crié dans son sermon sur le jugement dernier, ⁇ Levez-vous, morts, et venez au jugement ⁇ sa voix a retenti avec une puissance si terrifiante que le peuple s'est jeté à terre en implorant miséricorde et pardon. Pendant les douze jours qu'il a prêché à Nantes, en Bretagne, les habitants ont déclaré qu'ils n'avaient jamais été témoins d'autant de conversions et de miracles. Les mœurs de son peuple sont devenues saintes et pures. Les miracles de ses voyages. Frère Vincent a voyagé partout à pied jusqu'aux dernières années de sa vie, lorsqu'il est devenu nécessaire pour lui de monter à dos de mulet. Il y avait des milliers de personnes qui le suivaient, de la même manière que des milliers suivaient Jésus lorsqu'il allait de ville en ville. On lui a dit qu'il avait eu le miracle de pouvoir traverser les routes difficiles des Alpes en un laps de temps incroyablement court. Un jour, alors que lui et ses compagnons entraient dans sa ville natale de Valence, toutes les cloches de l'église se mirent à sonner d'elles-mêmes. Cette sonnerie continua jusqu'à ce qu'il atteigne le couvent dominicain. Une autre fois, lui et sa nombreuse compagnie traversaient le fleuve entre l'Èbre et Tortosa. Les bateaux étaient dangereusement surchargés et ont finalement commencé à prendre l'eau au point de couler. Des cris de détresse se firent entendre de toutes parts implorant Maître Vincent de les sauver. Il fit le signe de la croix sur la rivière, aussitôt les bateaux cessèrent de prendre l'eau, et ils atteignirent leur destination en toute sécurité. Pendant les derniers jours de sa vie, ses compagnons désiraient ardemment qu'il retourne en Espagne pour qu'il puisse mourir dans son pays natal, bien qu'il ait été révélé à Vincent qu'il y mourait. Une nuit, ils quittèrent la ville de Vannes, et après avoir voyagé toute la nuit, au point du jour, ils furent étonnés de se trouver de retour aux portes de Vannes. Saint Vincent dit, mes frères, ne parlons pas de retourner en Espagne, tu vois bien que c'est la volonté de Dieu que je finisse mes jours ici. La conversion miraculeuse des juifs et des musulmans. En an 1414, il y eut une conférence juive à Tortosa. Saint Vincent a composé son traité classique, le traité contre les juifs, qui réfute les nombreux mensonges du Talmud. Après 69 réunions, 14 des 16 rabbins devinrent catholiques. S'ensuivit la conversion générale des Juifs dans les districts autour de Tortosa. Dans les années 1415, il est rapporté que Frère Vincent convertit 20 000 Juifs en Castille, 8 000 dans le royaume d'Aragon, 7 000 en Catalogne et plus de 30 000 dans le reste de l'Espagne. Les érudits juifs de l'époque rapportent qu'en l'an 1412, un frère nommé Frère Vincent avait converti plus de 200 000 personnes. Des synagogues entières ont été converties et les lieux transformés en églises catholiques. Un jour, un musulman promit d'embrasser la foi si le bûcher qu'il avait allumé sur la place principale s'éteignait à la prière de Vincent, Vincent a prié, la flamme s'est éteinte. Invité par le roi musulman de Grenade, Vincent convertit 18 000 musulmans après trois sermons. Le miracle du pêcheur mourant dans le désespoir. Il y avait un homme mourant qui était un pêcheur connu. Son prêtre exhorta ce pécheur à faire usage du sacrement de la confession, mais l'homme désespéré réprimanda les supplications en disant que ses péchés étaient trop grands. Frère Vincent était dans le voisinage, et, informé de la situation, il accourut vers lui. Vincent lui parla avec tendresse de Jésus et de sa miséricorde, mais cela ne fit qu'inciter l'homme à un plus grand désespoir. Vincent finit par se tourner vers le mourant et lui dit, Je te sauverai malgré toi. Il a ensuite invité les personnes présentes à invoquer la Sainte Vierge et à réciter le chapelet. Avant que le rosaire ne soit terminé, la pièce a été inondée d'une immense lumière et la Mère de Dieu est apparue avec le divin enfant. Le témoin du mourant changea son cœur et, plein de componction, il demanda pardon à Dieu. Après avoir reçu les sacrements de l'Église, l'homme expira peu de temps après. Le miracle du paralytique lointain. Un jour, alors qu'il prêchait à Lérida au roi d'Aragon et à une foule immense, Vincent s'arrêta au milieu de son discours et s'exclama qu'il y avait un paralytique à quelques kilomètres de là qui luttait pour atteindre la ville. Le roi envoya deux de ses serviteurs chercher l'homme. Portant le paralytique dans leurs bras, ils s'approchèrent de Saint Vincent, qui, levant la main, fit le signe de la croix sur l'infirme. L'estropié fut immédiatement guéri et courut à Saint Vincent pour le remercier le miracle du mari injuste il y avait une femme dont le mari l'avait faussement accusée d'infidélité et que leur nouveau-né n'était pas son fils les femmes sont allées voir frère vincent pour lui demander conseil le saint lui dit viens à mon prochain sermon dis à ton mari de se mêler à l'auditoire et d'omettre d'amener ton bébé avec toi les femmes obéissaient aux instructions quand vincent eut commencé son discours à l'immense foule il s'adressa à l'enfant quitte les bras de ta mère et va à la recherche de ton père au milieu de cette grande foule. Le petit bébé a reçu l'usage miraculeux de ses pieds à l'étonnement de tous. Il se faufila à travers la foule sans aide, puis, saisissant la main de son père, il s'écria, C'est mon père, je suis vraiment son enfant. Le père sanglota à haute voix, demanda pardon à sa femme, et se dédommagea pleinement de l'avoir calomnié. Le miracle des pêcheurs s'est transformé en marbre. Alors qu'il prêchait à Pamplune, Maître Vincent s'arrêta soudain et informa son auditoire que Dieu lui avait ordonné de mettre un terme à une grave offense commise dans la ville. Il descendit de la chaire et un groupe le suivit jusqu'à l'entrée d'un grand palais, dont les portes étaient fermées. Vincent toucha l'une des portes qui s'ouvrit alors d'elle-même. Entrant et traversant les salles et les chambres, il s'écria le vice impur qui se produisait. Ceux qui avaient suivi Vincent ne voyaient personne, mais entendaient distinctement les gens dans leur passion pécheresse. Saint Vincent les implora d'arrêter, les menaçant de terribles châtiments, mais ils se moquèrent de lui. Ils ont tous été ensuite transformés en statues de marbre. Mais touchés de compassion, il s'approcha des statues et souffla dans leur bouche, leur redonnant vie. Ces pécheurs, sortis de cœur de pierre, se confessèrent l'un après l'autre. Lorsque chacun reçut son absolution sacramentelle, ils expirèrent au pied de notre saint. Saint Vincent Ferrier. Une fois, alors qu'il était en Espagne, on demanda à Saint Vincent d'aider un homme mourant qui était résolu à mourir sans confession, dans le désespoir du pardon. Même après avoir entendu de notre saint comment ses péchés seraient pardonnés, l'homme refusa de se confesser. Alors Vincent lui dit: "Je t'assure que Dieu t'a pardonné. J'ai prié pour vous." et j'ai obtenu miséricorde, bien plus, quels que soient les mérites que j'ai eus, je vous les ai entièrement confiés. En entendant cela, le mourant fut quelque peu rassuré et dit à Vincent qu'il ferait sa confession si le saint le mettait par écrit. Écrivant tout cela sur un morceau de papier, le pêcheur a ensuite fait sa confession. Vincent posa le papier dans les mains de l'homme. L'homme rendit son dernier souffle et le papier disparut. Plus tard, alors que Saint Vincent prêchait sur une place publique à plus de 30 000 personnes, la feuille de papier qui avait été donnée à l'homme descendit du ciel et atterrit dans les mains de Vincent. Le miracle de la violente tempête Alors qu'il se trouvait dans la ville de Barbastro, en Catalogne, Vincent avait terminé la messe et était en train de se déshabiller, lorsqu'une terrible tempête s'est soudainement déchaînée. C'était si violent que les gens craignaient d'être détruits. Le saint sortit de l'église, fit le signe de la croix avec de l'eau bénite, l'orage cessa immédiatement et le ciel devint serein. Montant en chair, il exhorta le peuple à rendre grâce au saint apôtre, car c'est par leur intercession que cette tempête fut arrêtée. Ajoutant que s'il n'avait pas été atténué, il n'y aurait pas eu de feuilles sur les arbres, ni d'herbes vertes dans les champs. Il leur dit aussi que s'ils ne suppliaient pas Dieu de conserver leurs biens et d'en faire un saint usage, l'année suivante apporterait une tempête similaire qui dévasterait le pays. Onze mois plus tard, une tempête fit exactement ce qu'il avait prévenu. Le miracle de guérison de Guillaume de Villiers. Il y avait d'un garçon de dix ans, Guillaume de Villiers, qui fut frappé d'une maladie mystérieuse dans laquelle il fut frappé de mutisme, refusa toute nourriture et devint totalement paralysé. Il entendait et comprenait ce qu'on lui disait, comme en témoignait son expression, mais il était incapable de répondre. Son frère a témoigné que même lorsqu'il a été frappé avec une verge assez forte pour faire couler le sang, le jeune homme n'a montré aucun mouvement. Alors que frère Vincent était à Saint-Lô en 1418, les parents lui amenèrent l'enfant et demandèrent sa guérison. Vincent leur dit, Amenez l'enfant à Caen. Alors, les parents se joignirent à la précession à la suite de notre frère transportant l'enfant dans une petite charrette à bras. En arrivant à Caen, le prédicateur fut conduit dans un grand espace ouvert où le roi Henri et ses fonctionnaires étaient assis, avec une foule immense dans l'espace environnant. Dès que le sermon fut terminé, les parents de l'enfant malade, craignant qu'il ne fût oublié, se frayèrent un chemin avec la charrette jusqu'à l'avant, près de Vincent. Ils suppliaient piteusement leur fils qu'il obtienne soit une guérison rapide, soit une mort rapide. Le maître se tourna vers le roi et la foule, ordonnant à tous de prier. Pendant qu'ils étaient en prière, Saint Vincent fit le signe de la croix sur l'enfant en disant, Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur toi et demeure éternellement. Ensuite, il s'adressa à l'enfant, Mon enfant, que veux-tu de Dieu Mon Père, répondit l'enfant guéri, je désire le bon plaisir de Dieu qui s'accomplit en ce moment. Cet enfant a été témoin lui-même de cet événement, alors qu'il était un homme de 46 ans, disant qu'il était d'avis qu'il avait été possédé par un mauvais esprit qui était parti sur l'ordre de Saint-Vincent. La guérison miraculeuse de l'homme qui doute. À Barcelone, en Espagne, il y avait un homme nommé Louis Cataldo qui souffrait de fortes douleurs à la tête qu'aucun médecin ni traitement ne pouvait aider. Cet homme ne croyait pas au miracle que Saint Vincent accomplissait, mais en désespoir de cause, il est allé à l'église où Vincent prêchait. Comme Vincent descendait de la chair, l'homme dit, Père, j'ai souffert d'affreuses douleurs à la tête pendant deux ans, je t'implore de me guérir. Le saint répondit, Je ne suis ni Dieu, ni médecin, pour vous guérir. En entendant cette réponse à son supplication, l'homme se rendit compte que le saint savait qu'il avait des doutes sur les miracles. Mais, aidé par la grâce de Dieu, il lui dit encore une fois, et pourtant, j'espère bien que tu m'accorderas cette faveur. Vincent répondit: Mais le crois-tu vraiment? Certainement, mon père, répondit l'homme. Alors Vincent posa la main sur la tête de Louis en lui disant: Tu es déjà guéri, remercie Dieu et croyez que ceux qui le servent sont investis d'une grande puissance. L'homme a été instantanément guéri et pendant les quarante dernières années de sa vie, il n'a jamais ressenti la moindre douleur à la tête. Le miracle du Saint-Nom de Jésus et du Forgeron. Un jour, alors qu'il prêchait sur le Saint-Nom de Jésus à Berga en Catalogne, une pluie violente s'est mise à tomber. Certains dans le public ont trouvé refuge dans une forge appartenant à un musulman. Pendant qu'ils attendaient que l'orage se calme, une femme dit au Forgeron, Pourquoi ne venez-vous pas comme nous, entendre les sermons du Saint-Père L'homme musulman devint furieux en disant ⁇ Maudit soit ton Saint-Père ⁇ À ce moment-là, des étincelles provenant de sa forge mirent le feu au tas de bois séché disposé autour de son atelier. ⁇ Nous allons voir maintenant quel usage vous ferez de ces sermons, ajouta-t-il. Le feu s'est rapidement propagé à divers autres matériaux autour du magasin et les gens se sont soudainement retrouvés entourés par les flammes. Dans leur danger, ils invoquaient le saint nom de Jésus. Ils dirent, au doux Jésus, votre prédicateur, maître Vincent, nous a dit que votre nom est l'aide des chrétiens, délivrez-nous de ce danger pressant. En un instant, les flammes se sont éteintes d'elles-mêmes et il n'y avait même pas de fumée du bois brûlé. Ce miracle étonna tellement le forgeron musulman qu'il se convertit, trois jours plus tard, il fut baptisé par saint Vincent. Le miracle du marchand qui a perdu la vue. Il y avait un marchand nommé Seuchier qui avait perdu la vue. Apprenant que Saint Vincent était à l'abbaye bénédictine de Montaulieu, le marchand s'y rendit pour y chercher la guérison. Le saint rencontra l'homme, qui se jeta à terre devant lui en disant, « Maître, puisque tu es, comme je le crois, un vrai disciple de Jésus-Christ, je te prie de me rendre la vue que j'ai perdue pendant l'espace de trois ans. » Saint Vincent fit le signe de la croix sur les yeux de l'homme et le marchand recouvra immédiatement la vue. Le miracle de la princesse et de la pierre lourde. À Valence, la princesse Jane Prade était connue pour sa vanité, ses vêtements impudiques et sa coiffure imposante. Pendant que Vincent prêchait sur le marché du bois, une grosse pierre lourde, dont l'origine était inconnue, s'écrasa à travers l'auvent de l'ombrière et frappa violemment la princesse à la tête. Tout le monde pensait qu'elle était morte et tous étaient très attristés par ce dont ils avaient été témoins. Mais le saint prédicateur dit à la foule de ne pas s'alarmer parce que la pierre n'est pas tombée pour tuer la princesse, mais seulement pour renverser l'ornement extravagant de ses cheveux. Alors Vincent dit, Princesse Jane, levez-vous. Elle s'est immédiatement levée saine et bien portante. Après cela, elle s'habilla d'un costume modeste. Le miracle de l'enfant démembré. Dans la ville de Morella, non loin de Valence, Vincent avait été invité à dîner chez lui après sa prédication. Le mari, qui est arrivé peu de temps avant Vincent, a découvert que sa femme avait tué et démembré leur petit enfant. Alors que le mari, fou de chagrin, regardait les restes ensanglantés, Saint Vincent arriva. Consolant le mari, il ramassa les parties de l'enfant de ses propres mains. S'agenouillant, faisant le signe de la croix, il prit, que Jésus-Christ, fils de Marie, Seigneur et Sauveur du monde, qui a tiré l'âme de cet enfant du néant, la rend à son corps, à la louange et à la gloire de sa grande majesté. Au témoignage des parents et des voisins qui étaient venus à la maison en entendant les cris du mari, les parties de l'enfant se rejoignent et l'enfant fut complètement ramené à la vie, sans aucun signe de cette grande tragédie. Cet événement est représenté dans un tableau de Francesco del Cossa dans la nouvelle Pinacothèque du Vatican. Le miracle des assassins transformés en statues. En Espagne, alors qu'il voyageait de Lérida à Balgué, un groupe d'assassins attendait en embuscade pour tuer frère Vincent. Ces hommes étaient en colère parce que la prédication du saint avait amené les femmes de mauvaise moralité à se repentir de leur métier, les privant ainsi de leurs revenus. Connaissant les plans des assassins, le saint dit à ses compagnons, Ceux qui se présentent devant nous sont les proxénètes des femmes de la vie abandonnée qui se convertissent, et ils viennent à moi avec la ferme résolution de me tuer. Les compagnons s'offrirent à le défendre, mais il leur dit, Je n'ai pas besoin de vous, allez-y, et laissez-moi seul avec ces hommes. À peine Vincent fut-il séparé de ses compagnons que les assassins l'entourèrent, l'épée dégainée, se préparant à le tuer. Saint Vincent se tourna vers eux, faisant le signe de la croix en disant, Par le signe de la croix, délivre-moi de nos ennemis, Seigneur. Les assassins devinrent immédiatement comme des statues, incapables de bouger. Alors le saint commença à leur prêcher la pénitence. Quand il sut qu'ils étaient tous repentants, il leur donna la permission de partir. À ces mots, ils furent rétablis. Ils jetèrent leurs épées, tombèrent à ses pieds, lui demandèrent pardon, demandèrent la permission de se joindre à sa compagnie et de faire pénitence publique. Ils se sont joints en groupe et ont donné un grand exemple à tous. Le miracle des chaussures d'âne. Un jour, à Mont-Blanche. Frère Vincent amena son âne chez un maréchal ferrant, en le priant par charité d'avoir la bonté de ferrer sa bête qui avait perdu un fer. Lorsque le travail de referrage des quatre a été terminé, le maréchal ferrant a demandé à être payé. Vincent lui dit :« Je n'ai rien à te donner, mais Dieu te récompensera de ta charité. » L'ouvrier répondit oh :« Ô père, je ne peux pas travailler simplement par charité, payez-moi ou je ne te rendrai pas ton âne. » Le saint lui demanda de nouveau cet aumône. Mais l'ouvrier lui dit Je n'en ai pas les moyens, et tu n'auras ni la bête ni les souliers avant de m'avoir payé. Alors Saint Vincent se tourna vers son âne et lui dit Cet homme ne te donnera pas les souliers qu'il t'a mis, parce que je ne peux pas le payer, rends-les-lui et allons-y. À ces mots, l'animal secoua ses pieds l'un après l'autre, se débarrassant miraculeusement de ses souliers. À la vue de ce miracle, l'ouvrier, stupéfait, tomba à genoux devant le saint, implora le pardon de son avarice obstinée. Puis Raffer Milan. Le miracle de la femme rendue belle. Saint Vincent passait un jour dans une certaine rue de sa ville natale de Valence, lorsqu'il entendit des disputes, des cris de rage, des blasphèmes et d'horribles imprécations venant d'une maison. En entrant dans la maison, alors que le mari partait, il trouva la femme qui continuait à maudire son mari. Il lui demanda pourquoi elle était si furieuse et pour quelles raisons elle proférait des blasphèmes si honteux. Les femmes en sanglots répondirent, Père, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours et toutes les heures du jour, que ce misérable, mon mari, me persécute, et finit toujours par me battre cruellement et me meurtrir à coups, ce n'est pas la vie, mon père, c'est une mort continuelle, la damnation de l'âme, et un enfer pire que celui des démons. Vincent répondit avec douceur, Non, ma fille, tu ne dois pas parler ainsi, cette colère ne vous servira à rien, si ce n'est d'offenser Dieu encore plus gravement. Dis-moi pourquoi ton mari te persécute et te maltraite de cette manière. C'est parce que je suis laide, répondirent les femmes. Le saint dit alors Et est-ce pour cela qu'il offense Dieu à l'extrême Puis, levant sa main droite sur le visage de la femme, il ajouta Va, ma fille, maintenant tu ne seras plus laide, mais souviens-toi de servir Dieu, et deviens saint. À ce moment-là, elle est devenue la plus belle femme de Valence. Ce miracle a été tellement célébré en Espagne, que pendant des siècles, il y a eu l'expression commune en rencontrant une femme peu attirante, cette femme a grand besoin de la main de Saint-Vincent. Le miracle du palais du ciel. Un jour que Saint-Vincent traversait une vaste plaine avec la multitude qui le suivait, le saint s'aperçut que tous étaient fatigués du voyage et souffraient beaucoup de la faim et de la soif. Il les recommanda à Dieu dans une courte prière, et, plein de confiance dans la divine providence, il se tourna vers ses compagnons en disant ⁇ Il n'y a pas loin d'ici une butte, et en même temps il la montra du doigt, mais un peu plus loin, nous trouverons un logement où nous serons reçus avec bonté, et où nous pourrons rassembler nos forces. En effet, à peine avaient-ils franchi la butte, qu'ils découvrirent un somptueux palais dans la plaine. Ils entrèrent tous et furent reçus par un certain nombre de jeunes et belles personnes. Les vins, le pain et la nourriture leur semblaient la nourriture du paradis. Après avoir repris des forces et remercié Dieu, les voyageurs offrirent mille actions de grâce à leurs hôtes, et se remirent en route. Quand Vincent eut parcouru environ trois mille, sachant qu'il y avait dans le groupe un homme qui avait peu de foi au miracle, il appela l'homme en disant J'ai laissé mon mouchoir à l'auberge d'où nous sommes venus, allez le chercher. Je l'ai laissé sur la table. Le disciple incrédule obéit, et se rendit à l'endroit où ils avaient été, mais n'a pas trouvé la maison. Il chercha en vain de tous côtés, mais ne put découvrir l'endroit où ils avaient été, ni aucune trace de maison. C'était une plaine morne. Au milieu de cette plaine, il y avait une énorme pierre, et sur le dessus se trouvait le mouchoir du saint. Étonné, le disciple comprit que ce palais où ils avaient été reçus ne pouvait être qu'une habitation miraculeusement préparée par des anges, et, raisonnant ainsi, il s'approcha du saint. Il tomba aussitôt à genoux et lui demanda pardon de son incrédulité. Le Saint le lui accorda volontiers, mais lui défendit de faire connaître le miracle. Cependant, le disciple, ne pouvant se contenir, annonça à tous, disant que les anges, voulant honorer saint Vincent, étaient descendus du ciel, et avaient miraculeusement préparé une demeure pour le recevoir, lui et ses compagnons, et qu'ils avaient été servis par des mains d'anges. Le miracle du sermon et du monastère lointain. Pendant que Vincent prêchait à Valence, il y eut un religieux qui, en entendant un sermon de Notre Saint, demanda à son abbé s'il pouvait se joindre à la compagnie des disciples de Vincent. Sa demande a été refusée, alors le religieux est retourné à son monastère qui était à 25 milles de là. Un matin, connaissant l'heure du sermon de Saint Vincent, ce religieux se rendit au sommet d'une colline voisine et, retenant sa respiration, s'efforça d'entendre le sermon. Il obtint la grâce d'entendre si clairement que, même à cette grande distance, il pouvait écrire tout le sermon sans omettre une syllabe. Le saint, sachant ce qui s'était passé, termina ce sermon en disant Mes enfants, je vous exhorte, vous qui avez assisté à mon sermon, à ne pas oublier mes paroles, car il y en a beaucoup qui voudraient être présents et qui ne le peuvent pas. Parmi eux se trouve un religieux d'un monastère situé à plusieurs milles d'ici, et dont toutes mes paroles sont parvenues aux oreilles. Le miracle du témoignage de la défunte. Alors qu'il prêchait devant une foule immense sur la place ouverte du couvent dominicain de Saint-Étienne, Saint-Vincent déclara solennellement qu'il était l'ange du jugement dont parle Saint-Jean dans ses écrits sur l'Apocalypse. Cela provoqua des murmures parmi la foule qui comprenait de nombreux religieux et théologiens. Saint-Vincent, connaissant ces murmures, dit, Quelques-uns d'entre vous s'approchent de la porte Saint-Paul, et vous trouverez un mort porté sur les épaules des hommes sur le chemin de la tombe. Amenez le cadavre ici. Et vous entendrez la preuve de ce que je vous dis. Plusieurs hommes s'en allèrent selon les instructions de la multitude, tandis que la multitude attendait. Bientôt on apporta la bière avec une femme morte dessus. Ils ont soulevé la litière et l'ont installée pour que tout le monde puisse la voir. Saint Vincent l'invita à revenir à la vie, et la morte s'assit. Qui suis-je lui demanda Vincent. Elle répondit Toi, Père Vincent, tu es l'ange de l'Apocalypse comme tu l'as déjà dit à cette vaste assemblée. Elle s'est ensuite couchée une fois de plus dans la mort. Une croix a été placée à l'endroit de l'événement. Le miracle des juifs et des croix. Saint Vincent fut un jour introduit dans une synagogue de Salamanque par un juif avec qui le saint s'était lié d'amitié dans ce but. Il entra avec un crucifix à la main, ce qui causa la consternation dans l'assemblée. Mais il les calma en leur disant qu'il était venu leur parler d'une question de la plus haute importance. Les Juifs s'imaginèrent qu'il devait parler d'une question d'intérêt public, et ils l'écoutèrent donc avec beaucoup d'attention. Puis, avec des paroles douces et douces, il se mit à leur parler de la foi chrétienne. Pendant la prédication, une pluie de crucifix blanc comme neige apparut qui se déposa sur les vêtements de tous ceux qui étaient rassemblés. Les croix apparaissaient à l'extérieur des vêtements, mais pénétraient ensuite invisiblement jusqu'à leur cœur. Poussés par la grâce divine, ils devinrent tous chrétiens et furent baptisés par Vincent. La synagogue a été consacrée par Saint Vincent en église et nommée la Vraie Croix. Les miracles du cadavre. Le Vénérable Père m'y confie son rapport, et les pères du couvent de Calabre donnèrent des garanties de ce qui suit. Un certain nombre de témoins étaient réunis à l'Érida devant l'église Saint-Jean. Ils virent maître Vincent y rencontrer un cadavre. Avec le signe de la croix, Vincent ramena le cadavre vivant sur ses pieds. Le miracle du juif ramené à la vie. Le dimanche des rameaux 1407, il y avait un riche et important juif d'Andalousie, nommé Abraham, qui s'était rendu au sermon de maître Vincent, en partie par curiosité et en partie par défi. Après avoir proféré un flot de sarcasme, il commença à partir, furieux pendant que Vincent prêchait. Comme certaines personnes à la porte s'opposaient à son passage, saint Vincent s'écria ⁇ Qu'il s'en aille ⁇ Éloignez-vous tous à la fois, et laissez le passage libre !⁇ Les gens firent ce qu'on leur ordonnait, et à l'instant où le juif s'en alla, une partie de la structure du porche tomba sur lui et l'écrasa à mort. Alors le saint se leva de sa chaise et se dirigea vers l'horrible corps écrasé. Il s'agenouilla là en prière. Abraham revint à la vie pleinement restaurée, et ses premières paroles furent ⁇ La religion des juifs n'est pas la vraie foi. La vraie foi est celle des chrétiens. ⁇ Le miracle de la note du ciel ⁇ Pendant qu'il était à Pamplune, quelques-uns des habitants prièrent maître Vincent de venir en aide spirituelle à une femme notoirement mauvaise. Il la trouva complètement endurcie, obstinée et si désespérée de son salut qu'elle s'écria ⁇ il m'est impossible d'être sauvé, Dieu ne peut pardonner ni la multitude ni l'énormité de mes péchés. Il continua à la supplier et à lui donner de nombreuses raisons de ne pas désespérer, mais en vain. Enfin, il éleva son cœur vers Dieu, fit une courte prière, puis promit à la femme que si son absolution venait par écrit du ciel, si elle promettait de se confesser. Elle a immédiatement commencé à se moquer d'elle, mais a fini par dire S'il en est ainsi, je suis tout à fait disposé à avouer. Alors Saint Vincent prit une plume et du papier, et écrivit ces mots Frère Vincent Ferré supplie la Très Sainte Trinité d'accorder à la pécheresse ici présente l'absolution de ses péchés. Il a ensuite plié le papier et l'a jeté en l'air. Le document s'est envolé hors de la maison. Au bout de quelques minutes, le papier revint voler dans la maison, se plia et atterrit dans la main de Saint Vincent. Il déplia le papier et trouva ce qui suit écrit en or Nous, la Très Sainte Trinité, à la demande de notre Vincent, accordons à la pécheresse dont il parle le pardon de ses fautes, nous la dispensons de toutes les peines qu'elle doit subir, et si elle se confesse, elle sera portée au ciel dans une demi-heure, où elle régnera éternellement avec nous. Du ciel. Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sans tarder, l'heureuse femme fit sa confession, et une demi-heure après, elle quitta cette vie terrestre pour le ciel. Le miracle de deux hommes allant à leur exécution. À Zamora, en an 1412, deux hommes ont été conduits à l'exécution. La peine encourue était la mort par le feu. Maître Vincent pria les officiers de justice de lui amener les deux condamnés. Cela fut fait, et les criminels furent placés sur les marches de la chaire, cachés aux yeux du peuple. Saint Vincent se mit à parler du châtiment que le péché rencontrait dans l'autre vie, puis, en termes vifs, il décrivit le péché dont les deux condamnés s'étaient rendus coupables et le châtiment qu'ils méritaient. Son sermon dura trois heures, mais lorsque les autorités allèrent enlever les condamnés, on découvrit que le remords avait fait son œuvre d'une manière frappante et efficace, car ils étaient brûlés par un feu mystérieux jusqu'aux os. Les corps des criminels furent enterrés près de la chaire d'où le saint avait prêché. L'événement a été mentionné par le saint Corneille de Lapide, dans son Commentaire sur Jérémie, affirmant que les exhortations de saint Vincent ont produit une telle douleur dans le cœur des deux criminels qu'ils ont causé leur mort comme par le feu. Le repentir et l'amour étaient leurs bourreaux, nous devrions plutôt dire que le repentir et l'amour leur ont donné une nouvelle vie. Le miracle de la cloche. De passage dans la ville de Zamora, Vincent visita un couvent. Au moment de partir, les religieux lui demandèrent de leur laisser quelques signes de souvenir. Très volontiers, je vous laisserai notre cloche, j'en prendrai soin et je la traiterai avec respect, car elle servira à un but grand, noble et agréable, a-t-il déclaré. Ils ne comprenaient pas alors ce que signifiait ce noble et agréable dessein. Les religieux traitaient la cloche comme une précieuse relique d'un saint, la mettaient à part et la traitaient avec honneur. Ils ne tardèrent pas à comprendre ce que Vincent avait voulu dire, car la cloche sonna d'elle-même quelques jours avant la mort de l'un d'eux. Cela a continué pendant plus de 100 ans jusqu'à l'année 1550, sonnant pour la dernière fois à la mort du Père Jean de Saint-Dominique. Le miracle du vin édulcoré. Alors qu'il prêchait sur l'île de Majorque, un tavernier demanda à Saint Vincent de prêcher sur l'obligation de payer les dettes. Le tavernier expliqua qu'il avait accordé du crédit pour plusieurs mesures de vin, mais qu'il n'avait pas pu se faire payer. Le saint lui répondit "Très bien, je dirai combien sont coupables ceux qui gardent ce qui appartient à un autre, mais d'abord, je voudrais savoir à quoi ressemble le vin que vous vendez." L'homme prit une bouteille de vin pour la lui montrer et lui dit "Goûte-la." Père, vous verrez qu'il est d'excellente qualité. Saint Vincent dit alors, versez-le sur mon scapulaire. Mais je gâterai votre saint habit, répondit le tavernier. Cela m'inquiète, fais ce que je te dis, dit Vincent. Pendant que l'homme versait, le contenu de la bouteille se séparait en deux parties, celle qui était du vin coulait sur le sol sans tacher l'habitude, tandis que l'autre, qui était de l'eau frauduleusement ajoutée, restait sur le scapulaire. Mon frère, s'écria Vincent, vous voulez qu'on vous paie ce qui vous est dû, mais n'avez-vous pas fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes en leur vendant un article frelaté Et ne devriez-vous pas réparer cette blessure Le tavernier, fort troublé, confessa ses fautes, restitua à chacun ce qu'il surfacturait, renonça à son commerce, et se joignit à la compagnie qui suivait Saint Vincent. Le miracle du champ fermier. À monte il y avait un fermier qui donnait l'hospitalité à Vincent. L'homme demanda, Maître, que puis-je faire pour être délivré des tempêtes qui, année après année, dévastent la campagne Pour cette année, répondit le saint, j'y veillerai. Quelque temps plus tard, une terrible tempête s'est abattue sur la région avec de la grêle dévastatrice. Les champs de culture ont été dévastés partout, sauf dans le champ de maïs de ce fermier. Sa terre était un îlot de verdure au milieu d'une mer de dévastation. Il y a eu d'autres miracles similaires de Saint Vincent où il bénissait un champ et il y avait une récolte miraculeusement abondante, bien au-delà de ce qui pouvait être considéré comme possible. Le miracle du pont. Le vendredi saint de l'année 1410, Maître Vincent était à Tortosa en train de prier dans l'église avant de commencer sa prédication. La foule était immense et avait rempli le pont de l'Èbre qui était construit de bateaux. Le pont s'est effondré sous la pression et s'est brisé en deux. Un cri terrible, qui s'éleva au moment où les masses étaient jetées dans la rivière, parvint jusqu'à Notre-Saint dans l'église. Se levant et d'un pas tranquille, il arriva au porche de l'église, puis, faisant un signe de croix, répara le pont endommagé. Les personnes qui se débattaient dans l'eau se sont soudainement retrouvées sur le rivage. Le faiseur de miracles retourna calmement à la prière. Le miracle de la croix sculptée dans le marbre. Les habitants de Cati avaient fait de grands préparatifs avant l'arrivée de Saint Vincent et de ses disciples, qui venaient de Morella. Les gens ont réparé les routes qu'il allait emprunter. Les villes voisines envoyèrent de grandes provisions de poissons, de volailles, d'œufs et d'autres aliments qu'un célèbre cuisinier nommé Mastro fut chargé de préparer. Des centaines de personnes sont allées voir le Grand Vincent. En échange de leur hospitalité, au moment où Vincent quittait la ville, il fit le signe de la croix sur la surface d'un piédestal de marbre, qui prit l'empreinte du signe comme si ses doigts avaient sculpté de la cire très molle. Mes enfants, dit-il, je vous ai prêché la pénitence, maintenant retournez chez vous. Et pour vous montrer que cette fois-ci je m'attends à ce que mes avertissements soient obéis, je vous ai donné un signe que vous ne pouvez pas effacer. Le miracle de l'homme innocent se dirigeant vers l'exécution. À Pamplune, un innocent venait d'être condamné à mort. Saint Vincent savait son innocence et plaida en sa faveur, mais en vain. Tandis que le sinistre cortège conduisait le pauvre homme à l'échafaud, ils rencontrèrent un autre cortège, celui d'un homme déjà mort. Le cadavre a été transporté sur une civière jusqu'au lieu de sépulture. Vincent semblait avoir une inspiration soudaine. Il s'arrêta brusquement et s'adressa au cadavre, Vous n'avez plus rien à gagner à mentir. Cet homme est-il coupable Réponds-moi. Le mort s'assit, puis prononça ces mots, ⁇ Il ne l'est pas ⁇ Alors que l'homme commençait à s'installer à nouveau sur sa civière, Vincent lui proposa de le récompenser pour son service. Il lui a donné l'occasion de rester en vie sur terre. Mais l'homme répondit ⁇ Non, père, car je suis assuré du salut. Sur ce, il mourut de nouveau comme s'il s'endormait, et on emporta son corps au cimetière. Le miracle de l'auberge du village pauvre. Les voyageurs qui traversaient les montagnes entre Vic et Granollers trouvaient peu de villages où trouver de la nourriture, car les villages le long de cette route étaient petits et très pauvres. Saint Vincent, avec environ trois mille disciples, voyageait à travers ces montagnes lorsqu'ils arrivèrent au petit village de Locana. Ils s'arrêtèrent à la porte d'une pauvre auberge de village. Le propriétaire était consterné de voir la foule. Père, dit-il, vous amenez une armée avec vous. Comment pouvez-vous imaginer que nous avons des provisions pour tant de gens Je n'ai que cinq pains et un flacon de vin, et ce n'est pas le meilleur vin en plus. Saint Vincent lui dit, Donne quand même ce que tu as, et continue à donner. L'aubergiste fit ce qu'on lui ordonnait, et trouva qu'il en avait assez pour toute la compagnie, et que le vin qu'il servait était des meilleurs. L'homme était étonné et terrifié, mais il garda la tête froide, et quand le repas fut terminé, il demanda à Vincent de bénir sa maison. Lors de la bénédiction, la corbeille à blé et la cave à vin furent miraculeusement remplies à nouveau. Il y eut beaucoup de miracles de ce genre de provisions multipliées. Par exemple, lors d'un voyage à travers l'Aragon, presque quotidiennement, la nourriture et les boissons étaient miraculeusement multipliées pour répondre aux besoins de ceux qui suivaient Vincent. Le miracle de l'aveugle devant le crucifix. Pendant qu'il était à Compostelle, un jeune homme fort et en bonne santé, mais complètement aveugle, fut amené à Maître Vincent. Agenouillé au pied du Saint, le jeune homme l'implore de le guérir. « Allez, dit Vincent, à la cathédrale d'Orviedo et là, agenouillé devant le crucifix, dites à Notre Seigneur que je vous ai envoyé, demandez votre guérison et vous serez exaucé. » L'aveugle n'hésita pas, faisant ce long voyage aussi vite qu'il le put. Il est allé droit à la cathédrale, s'est agenouillé devant le crucifix en disant « Seigneur, frère Vincent m'a envoyé vers toi pour être guéri. Il recouvra alors immédiatement la vue. Le miracle du cercle des bergers. Une fois, alors qu'il prêchait à Saint Sébastien, il y avait un berger sur le flanc de la montagne qui était impatient d'entendre Saint Vincent. Alors, confiant dans la bonté de son dessein, il traça un cercle sur le sol autour de ses brebis, leur interdisant d'en sortir jusqu'à son retour. Il descendit en ville et se joignit à la foule des auditeurs. À la fin du sermon de Vincent, il entendit le prédicateur conclure sa comparaison avec, comme le berger là-bas, qui a laissé son troupeau s'occuper d'eux-mêmes, après avoir fait un cercle autour d'eux, et leur avoir défendu de le quitter. Le berger s'en retourna, le troupeau dans le cercle. Les bénédictions de la protection pour Telada. Alors que frère Vincent voyageait au sud de Valence, il arriva dans la ville de Telada non loin du cap Martin. Les habitants de cette région avaient souffert pendant de nombreuses années du double fléau, une visite annuelle de la peste et des incursions de pirates musulmans. Après avoir été imploré de l'aide, Vincent a pris un bateau jusqu'à un rocher au milieu de la mer juste à l'extérieur du port. Il y fit le signe de la croix en disant ⁇ Soyez assurés que les pirates ne passeront jamais devant ce rocher. ⁇ à son retour à terre, il se dirigea vers un endroit à l'extérieur du village où quatre carrefours se rejoignaient. De là, il bénit la campagne et érigea une croix au bord du chemin au-delà de laquelle il dit que la peste ne reviendrait jamais. La ville fut par la suite protégée. Le miracle de la parole qui a été repris. Il y avait des occasions où notre saint défaisait un miracle qu'il avait provoqué. Par exemple, un jour, une mendiante, muette de naissance, a été amenée à Saint-Vincent. Il lui demanda Que veux-tu, mon enfant Mon pain quotidien est le don de la parole, répondit-elle. Le miracle déjà donné. Cependant, Vincent dit alors Tu auras ton pain quotidien, mais quant au don de la parole, tu sais parfaitement à l'amertume de tes pensées que tu en ferais un mauvais usage. Allez remercier Dieu de ce qu'il a fait pour vous, et ôtez de votre esprit toute idée de lui demander quelque chose qui serait mauvais pour vous. La jeune fille baissa la tête et s'en alla. Et bien qu'elle continuât à vivre muette, elle vécut encore cet ans comme un modèle de patience et de piété. Les miracles qui se sont produits à la mort de Saint Vincent. Saint Vincent Ferrier mourut le soir du 5 avril 1419, le mercredi de la semaine de la Passion. À ces derniers instants, les fenêtres de la chambre s'ouvrirent d'elles-mêmes et une grande volée de beaux petits oiseaux d'un blanc pur, pas plus gros qu'un papillon, remplirent la pièce et la maison. Dès qu'il rendit son dernier soupir, ils disparurent tous en laissant un parfum délicieux. Le corps du saint, qui reflétait les années de jeûne et de long voyage, devint soudain beau et lumineux, comme s'il était vivant. Un autre prodige est que quelqu'un qui avait des cierges utilisés à la messe du saint, mais qui avait disparu d'une boîte fermée à clé, a été découvert dans sa boîte et miraculeusement allumé au même moment. Le cadavre du saint dégageait un parfum d'une douceur perçante. La duchesse de Bretagne, qui avait lavé le corps, perçut la même odeur suave de l'eau dont elle s'était servie. Cette eau a été soigneusement conservée et de nombreux miracles se sont produits grâce à son utilisation, tandis que le parfum est resté jusqu'à ce que l'eau elle-même se soit évaporée. Les miracles qui se sont produits immédiatement après la mort de Saint Vincent. Le corps du saint, revêtu de l'habit religieux, fut porté en procession solennelle jusqu'à la cathédrale de Nannes où il fut exposé à la vénération publique. Le peuple était témoin de la souplesse des membres, de la couleur fraîche du visage et du parfum exquis qu'il exhalait. Deux morts qui avaient été placés à côté du saint défunt ont été ramenés à la vie, pour témoigner de la sainteté de Vincent. Les restes de ce saint ont été placés dans une voûte de marbre dans la cathédrale de Vannes, en France. Ce soir-là, un lépreux fut guéri sur le cou après s'être prosterné sur la dalle de la tombe du saint. En entendant cela, des multitudes d'invalides suivirent son exemple et furent également guéris. Le sculpteur qui a sculpté le tombeau du saint, ému par les nombreux récits de guérison, et qui avait une blessure à la jambe qu'aucun remède ne pouvait guérir, a été poussé à avoir recours à notre saint. Il dit, Ami de Dieu, bon Père Vincent, priez Dieu pour moi. À ce moment-là, sa douleur à la jambe avait disparu et en quelques jours, la jambe était parfaitement guérie. 400 personnes recouvrèrent la santé en se couchant simplement sur le lit dans lequel le saint était mort. Après qu'il ait été placé dans sa tombe, il y a eu des miracles quotidiens sur sa tombe. Chaque dimanche, il y avait une lecture de la liste des miracles qui s'étaient produits la semaine précédente. Les cloches de la cathédrale sonnaient lorsqu'un miracle extraordinaire se produisait. Quelques miracles notables associés à Saint Vincent après sa mort. Après la canonisation du Saint le 1er octobre 1458, son corps a été transféré de son caveau d'origine dans un nouveau tombeau plus coûteux. Ce faisant, ils ont trouvé son corps incorrompu, inchangé par rapport à l'époque où il avait été placé là près de 40 ans plus tôt. Son corps fut de nouveau exposé à la vénération publique. Au cours de la messe, deux morts ont été recouverts du manteau dans lequel Saint Vincent avait été enseveli, et ont été ramenés à la vie en présence de l'immense assemblée. Aussi, au cours de cette messe, un parent du duc de Bretagne fut guéri de la lèpre, et un aveugle de naissance recouvra la vue. Un tronc de cyprès provenant de la maison d'enfance de Vincent devait être utilisé pour sculpter une statue en bois du saint, même si elle n'était pas assez grande. Il a miraculeusement augmenté en largeur et en hauteur jusqu'à la taille d'un homme alors qu'il était transporté à l'atelier du sculpteur. En 1525, une partie des ossements de ce saint fut donnée aux dominicains de Valence. Le jour de leur arrivée, une jeune fille, aveugle de naissance et très malade, fut instantanément guérie de sa maladie et de sa cécité. En 1600, une côte de Saint-Vincent a été donnée à la cathédrale de Valence. À cette occasion, une femme estropiée, qui demandait l'intercession de notre saint, fut subitement guéri, ainsi qu'une personne qui était née muette. En 1836, Naples souffrait d'un terrible fléau de choléra. Le peuple se tourna vers Saint Vincent Ferrier dans la prière et la pénitence, et le choléra cessa. Naples a décrété que le saint serait le patron de la ville et a fait faire une statue en argent. Une femme de Toulouse, qui avait été pendant de nombreuses années victime de douleurs atroces à la tête, fut guérie instantanément en mettant le chapeau du Saint sur sa tête. Une femme, la mère de Théobald Lassay, a recouvré la vue immédiatement après avoir fait le vœu de visiter la tombe du Saint. Quatre cents malades furent guéris en se reposant simplement sur le lit sur lequel le Saint s'était couché. Cinquante ans après la mort de Vincent, l'enfant de douze ans de la Duchesse Léonore de Pimentel, mourut. Le confesseur de la duchesse, Jean-Lopez de Salamanque, conseilla à la noble dame d'invoquer son compatriote dominicain, Saint Vincent Ferré, récemment canonisé. La mère a fait le vœu de construire une église et un couvent en l'honneur de Saint Vincent si son fils était restauré. Dès qu'elle eut formulé son vœu, son fils revint à la vie. La duchesse devint très dévouée à Vincent et désira ardemment qu'on écrivît sa vie, ses vertus et ses miracles. Lors d'une grande cérémonie qui a eu lieu dans la cathédrale nouvellement achevée, le duc et la duchesse ont présenté leur fils. Ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon élevé a appris sa réanimation miraculeuse. Ce garçon a grandi pour devenir archevêque de Séville et cardinal. Le miracle du garçon assassiné est la foi de son père. Il y avait un enfant de 14 mois nommé Vincent Pistoia qui a été tué par sa mère. Son corps avait été démembré par la mère. Le père, qui avait une grande dévotion pour saint Vincent, dans son chagrin, se précipita au tombeau de Saint Vincent et versa sa demande en larmes et en prière. Quand vint l'heure de la fermeture de l'église, le pauvre homme eut peur de rentrer chez lui, mais quand il l'a fait, c'était pour trouver son enfant vivant et bien portant dans son berceau, mais avec les marques du couteau bien visibles, marques qui ne s'effaçaient jamais. Cet enfant grandit et rejoignit l'ordre dominicain le 15 avril 1481. Répandit la dévotion de saint Vincent en Sicile et vécut jusqu'à l'âge de 105 ans. Un témoignage vivant du miracle. L'apparition du saint aux marchands de blé. En l'an 1651, la ville de Valence était en proie à une famine et avait un grand besoin de vivre. En ce même temps, il y avait à Cagliari, en Sardaigne, des marchands de blé, qui avaient trois navires chargés de blé, qu'ils discutaient entre eux pour savoir vers quel port ils devaient naviguer. Ils arrivèrent au couvent de Saint-Dominique où ils rencontrèrent un étrange religieux d'un port doux et digne, qui leur dit qu'il était natif de Valence et qu'ils étaient dans un grand besoin à cause d'une famine. Les marchands promirent de suivre ses conseils. Le matin avant de s'embarquer, elles se rendirent au couvent pour présenter leurs hommages aux religieux et obtenir sa bénédiction. Cependant, lorsqu'ils ont parlé aux frères portiers, on leur a dit qu'il n'y avait pas de religieux de Valence là-bas. Alors qu'ils s'éloignaient, ils remarquèrent une statue de Saint-Vincent et que la statue ressemblait à l'homme qu'ils avaient rencontré. Ils arrivèrent à Valence le 17 janvier et racontèrent aux habitants ce qui s'était passé. Tous reconnurent que Saint-Vincent leur était apparu. L'apparition du Saint à un garçon mourant à Valence. En 1701, Valence était en proie à une grave sécheresse. Pendant ce temps, un garçon de 8 ans nommé Vincent Villaraza souffrait de fièvre et était sur le point de mourir. Son père, qui avait une grande dévotion pour notre saint, et sa mère n'ont pas pu assister au décès de leur fils. Ils ont quitté la chambre et ont eu la tante du garçon à son chevet. Au moment où la tante croyait que l'enfant avait rendu le dernier soupir, l'enfant se ranima tout à coup et s'écria ⁇ Ma tante, la sainte !⁇ Ma tante, la sainte !⁇ Les parents et d'autres membres de la famille dans la pièce adjacente, en entendant cela, se sont précipités dans la pièce. Voyant l'enfant en bonne santé, ils lui demandèrent qui était le saint qui lui était apparu. Il répondit C'est un saint vêtu de noir et de blanc, il tient ses mains dirigées vers le ciel, et porte sur sa tête une flamme brillante. Il m'a dit que j'étais déjà guéri et qu'il pleuvrait demain. Le lendemain matin, les parents se rendirent à l'église Saint-Dominique pour rendre grâce à Saint-Vincent pour la guérison miraculeuse de leur fils. Ce matin-là, une forte pluie a commencé et a duré trois jours. Quelques-unes des autres apparitions du Saint. Pendant un certain temps, Saint Vincent apparaissait fréquemment aux religieuses du couvent dominicain de Valence. Le bienheureux Dominique Anadon a dit de cette époque Pendant la plus grande partie de la nuit, nous avons Saint Vincent dans le dortoir, sur le côté de son ancienne cellule. Saint Vincent est apparu au bienheureux Columba de Rieti pour l'assurer d'entrer dans le tiers-ordre de Saint Dominique. Il apparut à la bienheureuse Madeleine de Panathieri pour l'informer de sa mort prochaine. Il apparut à Sainte Catherine de Ricci pour la fortifier en vue de l'agonie et de la mort qui approchait. Saint Louis-Bertrand avait reçu de Saint Vincent de nombreuses faveurs, la finale fut son apparition à Saint Louis alors qu'il était sur le point de mourir. Vincent apparut aussi au bienheureux Jean Riborat. Archevêque de Valence et contemporain de Saint Bertrand, qui passa quelque temps à converser avec lui, mais ce n'est que plus tard qu'il apprit qu'il s'agissait de Saint Vincent. Les miracles de l'apparence physique de Saint Vincent. Il y a eu de nombreux rapports et d'innombrables témoins des diverses apparitions miraculeuses que Saint Vincent Ferrier a prises. Par exemple, très fréquemment, lorsqu'ils étaient à la chaire, les gens voyaient des anges former une couronne autour de la tête de Vincent séjournait au prieuré bénédictin de josselin en bretagne les moines regardaient souvent la nuit à travers les fentes de la porte de la cellule dans laquelle se trouvait saint vincent là ils virent notre saint endormi sur le sol son visage éclairé d'une lumière qui éclairait toute la pièce et son corps soulevé du sol ces moines ont également permis au comte de rohan d'en être témoin ce qui a fait du comte un homme sincèrement pieux il est bien attesté dans les documents que des multitudes de personnes ont vu vincent alors qu'il était au milieu de sa prédication, prendre soudainement des ailes et s'envoler. Il revenait ensuite de la même manière pour continuer sa prédication. C'est la raison pour laquelle il y a des peintures de lui avec des ailes approuvées par l'Église. Une fois, la reine violente, qui s'était placée sous la direction de Vincent, alla avec sa cour rendre visite à frère Vincent dans sa cellule du couvent où il séjournait, bien que la reine l'eût expressément défendue par Vincent. Elle espérait être témoin de la lumière céleste que d'autres avaient vue de notre saint lorsqu'il était en prière. En entrant dans la chambre de Vincent, elle ne vit personne, bien que ceux qui l'accompagnaient puissent le voir. Elle appela maître Vincent et entendit sa réponse, mais ne le vit pas. Il lui ordonna de quitter le couvent, et il la suivit dans son obéissance. Notre saint se rendit alors visible à elle alors qu'elle s'en allait. Plus tard, la reine violente alla de nouveau voir ce qu'on lui avait dit. Cette fois, elle se contenta de regarder Vincent à travers l'entrebâillement de la porte. Là, elle vit le saint absorbé dans une profonde prière, son visage resplendissait de rayons de lumière qui illuminaient la pièce. La reine, se tournant vers ses dames, lui dit, Allons, allons, cet homme est bien plus saint que nous ne le pensons. Un archevêque a témoigné que pendant la dernière partie de sa vie, le saint était un vieillard usé par ses pénitences et ses travaux. Cependant, une fois qu'il a commencé à prêcher, son apparence a pris celle d'un jeune homme plein de vigueur avec une voix puissante et retentissante. Les différentes apparitions de Jésus, de Marie et de Saint-Dominique à Saint-Vincent Après l'apparition de Jésus, de Saint-François et de Saint-Dominique à Vincent en 1396, il y a beaucoup d'autres apparitions que nous connaissons. Par exemple, Saint-Dominique est apparu à Vincent alors qu'il dormait au couvent de Serveva en Espagne, pour l'encourager à poursuivre son travail. Les rayons de lumière qui entouraient Saint-Dominique étaient si brillants qu'ils réveillèrent Vincent et pénétrèrent dans les fentes de la porte de sa cellule. Leur conversation était assez forte pour que les moines dans les pièces adjacentes entendent le son des voix pendant ce temps de silence. L'un des moines, en enquêtant sur le son, a vu la lumière et les voix provenant de la chambre de Vincent. Le lendemain matin, notre saint ne put dissimuler l'événement, mais il ordonna à ses confrères de garder ce secret jusqu'à sa mort. Puis, en 1415, alors qu'il se trouvait à Perpignan, Vincent tomba gravement malade et refusa l'aide médicale, mettant sa confiance en notre Seigneur. À ce moment-là, Jésus lui apparut de nouveau, le guérit et donna à Vincent des instructions supplémentaires. Il y avait aussi une image sacrée de Marie au couvent de Valence qui parlait à Vincent. Saint Louis-Bertrand l'a confirmé en déclarant que, il ne parlait pas seulement deux ou trois fois, mais continuellement, car Marie traitait Vincent comme la plus tendre des mères. Le don de prophétie. Il y avait d'innombrables prophéties de ce grand saint. Il a prédit divers types d'événements, des morts, des saints à venir, des guerres qui se termineraient et d'autres événements. Ce don l'a rendu recherché par les papes, les rois et d'autres. À titre d'exemple, Vincent a dit un jour à un novice, Alphonse Borgia, Tu deviendras pape et tu me canoniseras. Et des années plus tard, c'est exactement ce qu'a fait ce novice, alors pape Calixte III. Vincent a également dit à Saint Bernardin de Sienne, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, qu'il, Bernardino, serait canonisé avant lui-même, et c'est ce qui arriva. Le don pour chasser les démons. Une autre classe de miracles de Saint Vincent Ferrier, tant pendant sa vie qu'après sa mort, fut l'expulsion des démons, soit des possédés, soit des obsédés. Il avait un tel pouvoir sur les démons qu'il lui suffisait souvent de toucher une personne possédée pour qu'il soit libéré. Les Bollandistes affirment que 70 possédés ont été libérés par notre saint. Il y a eu le témoignage donné au cours du processus d'enquête que, lorsque les possédés ont été amenés en présence du saint, le démon s'est enfui avant que l'exorcisme habituel prescrit par l'Église ne soit récité. Parfois, une personne possédée était libérée du diable simplement en se rendant au même endroit que Vincent ou même simplement lorsque le nom de Vincent était prononcé. Après la mort du saint, il était d'usage d'amener les personnes ainsi affligées au tombeau du saint, où elles étaient libérées. Le don de lire dans les cœurs. Saint Vincent a reçu la grâce de pouvoir lire dans l'âme des gens. Par exemple, lorsqu'il entendait les confessions, il se rappelait les péchés que les pénitents avaient oubliés. Au cours de ses sermons, il fixait parfois ses yeux sur des individus qu'il n'avait jamais vus auparavant, puis commençait à parler de péchés spécifiques que ces individus avaient souvent commis. Il n'était pas rare que ceux qui assistaient à ses sermons disassent Cet homme est vraiment un saint, car il connaît les secrets les plus cachés de nos cœurs. Il y avait une personne nommée Gaja qui, en demandant à être admise dans le groupe des disciples du saint, reçut l'ordre de tout vendre et de le donner aux pauvres. L'homme vendit tout, mais n'en donna que la moitié aux pauvres, gardant secrètement l'équilibre pour lui-même. Quand l'homme vint voir Vincent pour être admis, le saint le réprimanda de n'avoir donné que la moitié de son argent. Gaja tomba aux pieds de Vincent, lui demanda pardon, lui rendit la moitié qu'il avait gardée et rejoignit la compagnie du saint. Puis il y avait un pèlerin qui suivait le groupe de Vincent, mais qui doutait des miracles et des conversions dont il avait été témoin. Il observa attentivement afin de pouvoir réfuter les événements miraculeux. Un jour, Vincent alla trouver cet homme et lui exposa toutes les pensées secrètes de son cœur. L'homme, confus et repentant, se jeta à genoux pour demander pardon à Vincent. Enfin, il y avait un homme nommé Don Ferdinand qui, extérieurement, paraissait très pieux, mais qui ne l'était pas intérieurement. Saint Vincent prit cet homme à part et lui dit Vraiment, si je ne savais pas que tu entreprendrais un jour de grandes peines pour mon honneur, je te chasserais de ma compagnie, car tu es méchant. Par la suite, Don Ferdinand embrassa la vie la plus vertueuse et devint plus tard l'aumônier de l'évêque de Télésia. Saint Vincent a enseigné le pouvoir du signe de la croix. Les miracles de Saint Vincent incorporaient généralement le signe de la croix. Il faisait le signe de la croix sur le front de beaucoup de gens qui cherchaient la guérison, faisait le signe de la croix sur les malades, ou faisait le signe vers un ciel violent. Un jour, alors qu'il prêchait dans la cour du couvent des Carmélites, il s'est mis à pleuvoir. Il dit à la foule impatiente, Venez, mes braves gens. Ce n'est que de l'eau, pas des pierres, et dans tous les cas, Dieu y pourvoira. Alors Vincent fit le signe de la croix vers le ciel et les nuages se séparèrent en deux, comme on déchirait un morceau d'étoffe. Vincent a toujours demandé à ses auditeurs de faire The Sign fréquemment, toujours avant et après les repas, ou lorsqu'ils demandent l'aide de Dieu. Il a ordonné, si vous recevez une blessure ou une blessure, vous devez la signer dévotement avec le signe de la croix, et de faire le signe clairement et non dans un mouvement circulaire. Il commençait toujours sa prédication en faisant ce signe à la foule. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a expliqué, je vais répondre à une question qui m'a été posée, pourquoi avant de commencer la messe, est-ce que je fais un signe de croix en direction de ceux qui m'écoutent et qui se tiennent sur des estrades surélevées Pendant treize ans, j'ai prêché en plein air et ces choses me sont arrivées. En Savoie, le jour de Noël, je prêchais dans le château où logeaient le comte et la comtesse. Juste au-dessus de la grande salle, il y avait des fenêtres et des portes, au milieu du sermon, l'une des portes est tombée sur mes auditeurs et n'a pas fait plus de mal que si elle avait été une allumette. Dans une autre ville, il y avait un balcon très élevé auquel on ne pouvait accéder que par une simple passerelle, le balcon s'est effondré sans danger sur la foule. À Reuse, près de Tarragone, un balcon s'est effondré sans faire de mal à personne. À Chinchilla, nous fûmes délivrés d'un péril encore plus grand. C'est pourquoi vous ne devez pas vous étonner quand vous me voyez faire le signe de la croix. Aucun danger ne peut entraîner de préjudice si ce signe est fait. Il convient de noter ici qu'il existe au moins une douzaine d'autres récits de plateformes qui s'effondrent ou de balcons qui s'effondrent et qui n'ont fait aucun mal. Tous ceux qui étaient impliqués dans ces incidents savaient qu'il s'agissait de leur propre miracle. Saint Vincent a enseigné l'utilisation de l'eau bénite. Dans les miracles de Vincent, nous voyons aussi le pouvoir de l'eau bénite. Nous voyons comment il a arrêté les tempêtes en utilisant de l'eau bénite tout en faisant le signe de la croix. Maître Vincent demandait souvent à ses auditeurs de faire un usage libéral de ce sacramental tout en invoquant le nom de Jésus. Il demandait aux agriculteurs d'asperger leur culture d'eau bénite pour les protéger de la peste ou des conditions météorologiques défavorables. Vous ne vous rendez pas compte des moyens puissants que l'Église met à votre disposition, utilisez l'eau bénite avec foi et votre pays sera en sécurité. Dirait Vincent. Saint Vincent a appris à faire confiance à Dieu. En lisant les miracles de Maître Vincent, nous pouvons être fortifiés à la fois dans notre foi et dans notre confiance en Dieu. Nous voyons que tout est possible, qu'il s'agisse de restaurer des corps démembrés, de fournir de la nourriture ou d'arrêter de violentes tempêtes. En vérité, tout est possible pour ceux qui croient. Nous voyons également la nécessité de faire des actes de foi, qu'il s'agisse de prier, d'utiliser de l'eau bénite, de faire le signe de la croix ou de se rendre à l'Église. Saint Vincent a prononcé ces paroles dans l'un de ses sermons sur la confiance en Dieu, la prochaine bouchée est la confiance en Dieu. Quand les apôtres étaient désespérés parce qu'ils ne pouvaient pas fournir de nourriture à la multitude, le Christ a voulu la fournir d'une manière inhabituelle afin que nous puissions comprendre que, si désespérée que puisse paraître la situation, nous ne devons jamais désespérer de l'aide de Dieu, mais avoir une grande confiance, ne pas suivre les paysans qui disent, s'il ne pleut pas, nous n'aurons pas de blé cette année car cela n'ont ni confiance en Dieu ni intention droite, car Dieu peut donner non seulement du blé dans les champs, mais même dans les greniers. Il en va de même pour le vin ou toute autre chose. Le fait qu'il ne le donne pas est dû à notre manque de confiance. Confiez-vous donc en Dieu comme à votre Père, et recherchez son honneur et sa justice, c'est-à-dire par la tristesse des péchés et la confiance en lui. Le sacrement de la confession, essentiel au salut. Nous pouvons voir comment le sacrement de la confession est nécessaire au salut et non le sacrement des derniers sacrements. Saint Vincent a fait des miracles pour donner aux gens une chance de faire une confession digne, sachant que s'il le faisait, il serait sauvé. Vincent disait constamment aux gens que les problèmes qu'ils rencontraient étaient dus au fait qu'ils n'obéissaient pas à la loi divine. Que l'humanité doit se détourner du péché et faire pénitence, c'était la sainte mission que Jésus lui avait confiée. Ainsi, en faisant une confession digne et en obéissant aux commandements, nous sommes sauvés. Saint Vincent a enseigné que nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Nous apprenons de Saint Vincent Ferrier qu'il ne faut jamais se moquer des dons que Dieu a fait à ses serviteurs. Comme cela s'est produit dans des cas similaires, un garçon a fait semblant d'être mort, tandis que ses amis ricanaient. Les amis appelèrent notre saint pour qu'il les aide car leur ami était mort. Saint Vincent se pencha et secoua ce qui n'était plus qu'un cadavre. Vincent dit, il a fait semblant d'être mort pour vous amuser, mais le mal s'est abattu sur lui, il est mort. Une croix a été érigée à cet endroit pour commémorer cet événement. De tels événements devraient inspirer à tous un respect pour nos prêtres qui, comme Vincent, ont reçu des pouvoirs spéciaux. La foi et la menace des chevaux au galop. À Murcie, où Vincent prêchait la veille de Pâques, un événement étrange se produisit. Il prêchait sur la grande place et il y avait environ dix mille personnes qui l'écoutaient. Soudain, tout le monde entendit le galop des chevaux qui s'approchaient, accompagnés de hennissements sauvages. Bientôt les gens virent un nuage de poussière, et au milieu de ce nuage ils virent distinctement s'approcher trois chevaux, couverts d'écume, avec des yeux de feu, des crinières volantes et des narines distendues. En avant, ces animaux tonnèrent jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus qu'à vingt pas de la masse dense des gens. Il y eut un moment de terreur presque insupportable. Faites le signe de la croix, s'écria notre saint, et dix mille mains se levèrent à la fois. Le prédicateur lui-même bénit la foule dans la direction du danger. Là-dessus, les trois chevaux s'arrêtèrent net, puis, se retournant vivement, s'enfuirent dans une autre direction, et, pendant longtemps, on entendit distinctement le tonnerre de leurs sabots. Ces chevaux, dit Vincent à la foule pétrifiée, ne sont pas des animaux, mais des êtres surnaturels, des esprits malins qui, depuis trop longtemps, sont les maîtres de cette ville, grâce aux trois principaux vices qui y règnent. Ils étaient si furieux de voir vos âmes leur échapper qu'ils ont fait une dernière tentative pour vous blesser, ou du moins pour vous terrifier. Mais, comme vous venez de le voir, un acte de foi est plus fort que toutes les puissances de l'enfer. Saint Vincent une vue sur la vie d'un apôtre. En entendant parler des nombreux dons miraculeux que Dieu a accordés à saint Vincent, nous pouvons mieux comprendre ce que cela aurait été de rencontrer saint Paul ou l'un des autres apôtres. Dans les actes des apôtres et dans d'autres écrits, on ne nous donne que des indices de leur pouvoir merveilleux. Grâce au récit minutieux de la vie de saint Vincent, nous pouvons avoir une meilleure idée de ce qu'étaient les douze. Nous pourrions imaginer les douze faisant des miracles chaque jour comme témoignage de la vérité de leurs paroles. Comment leur prédication aurait été comprise par tous, quelle que soit la langue qu'ils parlaient? Comment leur parole aurait été un canal de grâce permettant la conversion de milliers de personnes? Rendons grâce à Dieu d'avoir donné à son Église un apôtre de plus, celui de Saint Vincent Ferrier. Quelques saints qui avaient une dévotion à Saint Vincent Ferrier. Enfin, il est utile de parler de quelques saints remarquables qui ont eu une dévotion à Vincent Ferrier. Le Saint patron de Saint-Vincent de Paul était Saint-Vincent Ferrier. Saint Léonard de Port-Maurice, qui était aussi un prédicateur extraordinaire, plaça toute son œuvre sous la protection de Saint-Vincent Ferrier. Saint Louis-Bertrand avait une profonde dévotion pour notre Saint. Le bienheureux Nicolas Facteur a dit à tous ceux qui lui demandaient conseil, de prier Saint-Vincent Ferrier et que notre Saint les aiderait. Alors, écoutons aussi ses conseils et incluons Saint-Vincent Ferrier dans nos prières et nos demandes d'intercession. Les miracles et la certitude de la foi catholique, extrait d'un sermon de saint Vincent Ferrier. Celui qui veut prouver une loi doit examiner deux choses premièrement, si elle a été approuvée par l'autorité divine, deuxièmement, si elle a été observée par la sainteté humaine. En ce qui concerne le premier, il est certain que Dieu n'est pas un témoin menteur. Les vérités de la foi sont signées par des miracles qui ne peuvent être opérés que par Dieu. Comme rendre la vue aux aveugles, Louis aux sourds, ressusciter les morts. Extrait du sermon sur le jugement dernier, ceux qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la raison sont des hommes, ceux qui suivent leur sens sont des bêtes, les orgueilleux sont des lions, les renards avares, les cochons sensuels, les chiens envieux, les cupides sont des loups, les serpents ou vipères en colère, les ânes paresseux. C'est pourquoi la maison de ce monde est corrompue, impure et infectée. C'est pourquoi elle doit être nettoyée et purifiée. Nous ne remarquons pas la saleté de ce monde parce que nous sommes nés et avons grandi dans cet endroit mal savouré. Saint Vincent Ferrier l'ange de l'Apocalypse Alors qu'il prêchait à Salamanque devant plusieurs milliers de personnes, Saint Vincent a dit, Je suis l'ange annoncé par Saint Jean dans l'Apocalypse, cet ange qui prêchera à tous les peuples, à toutes les nations, en toutes langues, et leur dira, Craignez le Seigneur et honorez-le, car l'heure de son jugement est venue. Telle fut la tâche qui lui fut confiée lors de l'apparition de Jésus, Saint François et Saint Dominique, le 3 octobre 1396, à Avignon. Le monde était devenu si corrompu que Saint Ferré dit, non, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu dans le monde autant de pompe et de vanité, autant d'impureté qu'aujourd'hui, pour trouver dans l'histoire du monde une époque aussi criminelle, il faut remonter à l'époque de Noé et au déluge universel. Il a été chargé de prêcher la repentance et la conversion, que ce serait une occasion miséricordieuse de la part de Dieu avant la venue de l'Antéchrist. Notre Saint pensait que la fin de cet âge, le jugement général et le retour de Jésus ne tardaient pas à venir. Alors, pourquoi la fin n'est-elle pas revenue dans les années 1400 Notre Saint avait-il tort Difficile de répondre à cette question. Une pensée est qu'en raison de la grande conversion loin du péché qui s'est produite, Dieu a retenu sa colère, permettant aux âmes de trouver le ciel. Ou peut-être est-ce notre conception terrestre du temps qui nous fait sentir que les événements prédits dans la prophétie doivent se produire dans quelques années, au lieu de centaines d'années. Une chose est certaine, c'est que Saint Vincent était l'ange de l'Apocalypse dont parle Saint Jean dans ses écrits. Je doute que Dieu en envoie un autre, puisque nous avons si complètement ignoré celui qu'il a déjà envoyé.